Oh là les gens, c'est des mouches, et nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour sur Five Nights at Freddy's 4 pour le spécial Halloween 2023. Parce que, en fait, en soi, bah, déjà, pour la rentabilité de cette peluche. Ensuite, parce que je suis en train de faire un let's play spécial Halloween 2023, mais je trouve que ça ressemble beaucoup trop à Halloween 2019. Du coup, non, 2020. Bon, enfin bref. Passons à autre chose. Fanat après 10-4. Bon, écoutez, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, écoutez. Et puis, de toute façon, j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Alors, autant le refaire dans la joie et la bonne humeur, pas du tout. Alors, sachant que Fanat après 10-4, c'est. Bah, pour moi, c'est vraiment celui qui renferme tout l'horreur. Tout ce qui fait peur dans Five Nights at Freddy's, le 4 est une excellence incroyable. Parce que t'es obligé de jouer avec le casque. Et comment tu peux avoir super peur? Bah avoir le bruit du jumpscare qui est à fond dans tes oreilles. Voilà. Et je trouve encore même que le son du jeu, il est même pas haut. Et je peux même pas voir parce que si je quitte le jeu, ça enlève la musique. Du coup, ce qu'on va faire. Que je peux pas l'augmenter par hasard. Parce que bon, c'est marrant une fois, mais j'aimerais au moins l'entendre. Voilà, 66%. C'est mieux. Merci. Et du coup, bah, new game, hein, parce que j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Let's go. Je déteste le 4 juste parce qu'il me fait trop peur. Hein. Si jamais. Bon, on connaît, on a peur, on a tout lu, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a fait cette fois? Tu es enfermé. Laissez-moi sortir! On est parti pour le speedrun, pas du tout. Demain est un autre jour. Alors, on se souvient. Dans la nuit, hein, il y a déjà les animatroniques. Le jeu. Merci. Alors, on se rappelle des touches. Ça, c'est pour fermer. Ça, c'est pour. Déjà quoi pour éclairer? Non. Ah ouais, c'est de la merde en fait. Du coup, derrière. Putain, c'est la touche contrôle pour éclairer. Oh, mais quel. C'est pas bien ça. C'est pas bien. D'ailleurs, je voulais toujours essayer ce truc. On n'a pas de screamer? Non. Je m'attendais à un screamer, hein, honnêtement. C'est à combien de minutes. Enfin, c'est à combien d'heures? C'est à 3 heures que ça commence? En fait, c'est quand le tuto il s'enlève automatiquement. Ah, ce jeu de l'angoisse! J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais je préfère faire ça que The Joy of Creation. Honnêtement. Honnêtement, si je devais choisir. Mais du coup, il y a déjà les Freddy's hein, dans le jour 1. Il y a le chien. Il y a le chien, c'est vrai. Il casse les oreilles. Ça n'a pas commencé, hein, on est d'accord. Moi j'ai le casque à fond en tout cas. Je sais pas pour vous. De toute façon, vous êtes en train de skip jusqu'au scream, jusqu'au jumpscare que je vais me prendre. Je le sais, je le sais. Je le sais, je vous connais. J'aurais fait pareil.
Je sais pas pourquoi je me tape le cul à refaire Five Nights at Freddy's 4, alors que tout le monde s'en fout. Bah ouais. Et en plus, c'est un jeu, il faut être super silencieux. Ça va être super. Super. Incroyablement super. Ça a pas commencé? Si, ça a commencé. Si, si, ça a commencé. Bien sûr que ça a commencé. Petite merde de jeu. Petite merde. Alors, on se souvient, jamais fermer la porte à la gueule des animatroniques quand ils sont au fond du couloir, parce que ça les ramène devant soi. C'est de la merde. Ça a bougé à gauche. À droite, alors. Rien du tout. Bah alors. Ah, elle est à la cuisine. Elle se tape déjà la cuisine à Day One? Bon bah écoute. Moi ça m'arrange, hein, si elle est à la cuisine. Ça l'occupe. C'est vrai qu'il y a le spécial Halloween. J'avais oublié qu'il y avait ce spécial Halloween aussi. Bon, je l'ai pas activé, hein, le spécial Halloween. Et peut-être que j'aurais dû. Parce qu'on est à Halloween. Mais attendez. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas activé Halloween? Je suis bête. Tu sais qui se cache encore? Osef. Je vais aller à sa rencontre. Mais attends, il se cache où, Day One? Ah, ou bien il faut que je fasse toutes les pièces. Non, ouais, là il est sur le canapé. Non? Ah non, il était derrière la télé. Demain est un autre jour. Je suis bête à pas avoir activé Halloween. Bon, en même temps, on me l'a pas proposé. Oh, et cette merde. Oh, et cette merde. Et j'ai pas envie de le faire, hein. J'ai pas envie de le faire, hein.
putain, cette merde. Cette merde! Bon, c'est perdu! C'est la merde ce mini-jeu, putain! Il y en a marre! Ah oh, oui, je suis énervé contre le jeu, mais il est trop bien! Mince! Bon, Foxy! Hein, il y a Foxy, hein! Ne me rassurez pas, s'il vous plaît! Super. Ah oh là là. Tu veux pas aller à la cuisine? Ça me fera des vacances. Très honnêtement. Bon, ça arrive à droite. Chica! Au revoir, Chica. Bonnie? T'en as pas profité. D'ailleurs, faut pas que je me loupe, hein, entre la lumière et fermer les portes. Ce serait trop bête de se prendre un jumpscare maintenant. De toute façon, j'ai pas réussi Plush Trap. On a eu un Easter Egg, hein, si jamais. On a eu les fleurs. Parce que nous sommes décédés. Vite en enfer. Petit homme. Ah, il est à la cuisine. Ça va. À gauche, Foxy. C'était à gauche hein, qu'il y avait Foxy. Hein. Ok, c'était bon. J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, est-ce que c'était un souffle? Dégage. À gauche! Foxy? Foxy?
Chica? Bonnie? Arrête de me souffler à la gueule. Dégage. Au revoir. Chica? Chica! Ouh, les Freddy. Oh, arrête de me souffler là. Bon, à gauche, après on va vérifier les Freddy. Oh, Bonnie. Dégagez! Putain de mouche de merde! Et mouche de merde, je suis toujours. Arrête de me souffler. Je vous jure, j'ai eu un screamer de mouche là. Bordel de merde. Allez à la cuisine, parfait. Bon, Chica? Chica! Ah, ça c'est parce que je connais le jeu, c'est bon. Bon, troisième nuit, ça va être chiant, en vrai. En vrai, ça va être chiant. Bon, en fait, c'est ça, Final Fantasy 4. C'est soit tu connais le mécanisme et du coup, bah, t'arrives jusqu'à la nuit 4, ou la nuit 4, c'est l'enfer, quoi, honnêtement. Il est parti sans toi. Oh, quel dommage. Il savait que tu détestes d'être ici. Tu es juste à côté de la sortie. Dépêche-toi. Cours. Cours, Billy, cours. Oh non, c'est trop tard. De l'autre côté. Cours. Oh non. Victimisé par une mascotte. Demain est un autre jour. Victime. Oh non. Salut! J'ai rien entendu, hein. Je me rappelle même plus. Peut-être des petits bruits de pas, mais c'est tellement sourd. Bon, Foxy, tu me casses les burnes. Bon, à gauche, vite.
Oui, bah c'était sûr que t'étais là. Non, connard! FDP! Non mais c'est loose. Mec, c'est loose! Jumpscare. Même pas! Même pas! Bon, après Foxy, hein. Foxy. Après Chica. Bon, j'ai entendu Bonnie, hein, aussi, hein. Bonnie. Après les Freddy's. Les Freddy's. Bon, Foxy. Chica. Putain, et les mouches de merde. Je vous jure, je me tape des mouches de merde. Bon, à droite. Chica. Mais oh, et je peux pas tout faire dans ma vie. Ça m'a même pas fait peur. Dès que j'ai vu que il me fait un vire droite dans ma gueule, je me suis tout de suite dit, bon, écoute, c'est bon, hein, c'est loose. Bon, je vais juste relancer le jeu. Je savais que c'était loose, hein, le gauche-droite que le jeu il m'a fait. Je ne pouvais pas faire plus que ça, honnêtement. Édition Halloween, s'il vous plaît. Parce que nous sommes Halloween, justement. Ce jeu de merde. Bon, on recommence à zéro, hein. Malgré qu'on a réussi Plush Trap. C'était sûr. C'était sûr. Petite merde. Petite merde. Et tu te fous de ma gueule. Mais j'ai envie de crever, vas-y. Non mais j'ai envie de crever. Ça m'énerve. Non mais il y en a marre. Je me fais snobber par mon gueule, quoi. Incroyable. Ouais, maintenant c'est plus Foxy, c'est mon gueule. Mais je me fais snobber par elle, mais dès la première seconde, quoi. Ou lui, je sais pas, je m'en fous, j'ai plus suivi l'histoire Ah, il y en a marre. Ah. Mais dans mes souvenirs, ils ont pas, ils ont rien modifié. C'est juste les costumes. Ils ont pas rendu mon gueule plus difficile. Non. Je crois qu'ils l'ont rendu plus difficile en vrai. Merde. Non mais je suis là en fait. Je crois qu'ils l'ont rendu plus difficile. Ouais, ça m'a fait quitter. Waouh, incroyable! Non, mais. Non, mais faut dire les termes. Écoutez-moi. Si j'ai arrêté Final Fantasy, c'est pour une bonne raison. C'est parce que ça me prend le chou, en fait. Du coup, bah écoutez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai pas envie de faire de déçus. Je déteste faire des déçus.
On va jouer à Security Breach Ruin. Bon. Je suis en train d'improviser, en fait. Parce que vous avez la miniature, quoi, Final Fantasy 4 plus Ruin. Mais moi, je m'attendais à faire que du Final Fantasy 4. Mais j'avais oublié que, en fait, Final Fantasy, ça me pétait le cul. Du coup, autant faire dans la bonne uniforme en faisant le nouveau DLC. J'ai rien vu du nouveau DLC parce que, en vrai, ça m'a absolument plus intéressé du tout. C'est un bon point positif parce que, au moins, je me suis pas fait spoil. Remerciez-moi au moins pour ça, quand même. Bon, par contre, il capture le jeu. C'est pas la première fois que je suis en train de faire du Security Breach, quand même. Le jeu? Bon, il a pas capturé. Écoutez. On va régler ça. On va régler ça. Oui, vous écoutez des trucs, mais vous inquiétez pas. Voilà. Alors, non. Pourquoi t'es en train de me filmer ça, en fait? Windows? Voilà, merci. Wow! Wow, le truc, il pète un câble. N'importe quoi. Bon, ruine. Trouvez Grégory, si tu veux. Je vous rappelle qu'on a réussi à terminer le jeu en trichant. On a traversé une barrière qu'on ne devait pas traverser de base. Et on avait fini le jeu. Bon, j'avais essayé de continuer. Alors, et d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Eh ben, c'est simple. Pendant plus de 3 heures. Oui, 3 heures. Je ne plaisante pas. 3 heures, j'ai filmé. Enfin, non, j'ai pas filmé. J'ai fait du off. J'ai fait du off. J'ai fait des trucs secondaires pour avancer, etc. Faire des trouvailles easter egg et compagnie. Non, en fait, non, c'était pas du off. Mais c'est devenu du off. Par simple et bonne raison, c'est qu'à un bout d'un moment, le jeu, il a complètement bug. J'étais softlock. J'ai voulu quitter. Et le jeu, il s'est freeze. Et du coup, bah, j'ai tout perdu. Mon ordinateur, il s'est éteint à cause de Security Breach. Du coup, vous n'avez pas eu de suite à cause des bugs du jeu. Voilà. J'ai passé 3 heures pour rien du tout en fait. J'ai eu ton message, Grégory. T'es pas en français? Ils ont pas réussi à traduire le jeu en français. Grégory, tu es là? Je il est pas en français. Mais oui, en français. Allô? Bon, on doit trouver Grégory parce que madame a reçu un message de lui. Oula, attends, on avait déjà utilisé des échelles auparavant? Ça me dit absolument rien du tout. Je comprends pas. Pourquoi Grégory m'a dit de venir dans ce vieil endroit s'il n'est pas là? C'est quoi ça? Si je prends de la hauteur, je verrai mieux. Alors, Grégory, on se rappelle, on déteste Grégory. Et en plus, il amène des autres victimes mourir. N'y allez pas. Super, bah super Grégory, hein. Génial ce que tu nous as fait. Hein. Ah du coup là c'est bah tout est en ruine. Hein. Bravo, c'est le titre du jeu. Salut. Ah une lampe torche. Ah je dois maintenir pour avoir une lampe torche. Super. Voir info. De quoi les infos? Quoi? Savoir que c'est une lampe torche? Pour les endroits sombres et effrayants. Waouh. Clouse, attends. Attends, ils n'ont pas réussi à tout traduire. C'est génial ça. Du coup, on a une flashlight pour aller ici. Funky. C'est déjà quoi ça? Mais ils ont fait de la merde, mais comment? D'ailleurs,
Pourquoi ils ont pas liquidé tout ça? Je sais pas, moi, dans la fin que j'ai eue, c'était pas autant la merde en fait. Je sais pas, il n'y a pas des gens extérieurs qui se sont dit, tiens, de l'urbex, très cool là. Ils ont fait de l'urbex, génial, avec des animatroniques qui les ont tués, à mon avis. Bon, par contre, qu'est-ce que je branle ici? Beaucoup rien. Ouais, mais j'ai une stamina. Où que c'est chiant les stamina? Ok. Ah la stamina là. T'as un problème? Ah, une autre lampe torche. Si j'en avais besoin d'une deuxième. Le jeu a tout prévu. Bah, du coup, ouais, là on est à l'entrée avec tous les goodies. Ah bah là on est en hauteur. On peut tout voir. Enfin, on voit que dalle, surtout. On est très petit. Quoi? Quoi? Mais je vois rien! Il y a des screamers par-ci, par-là, à l'aide, Grégory. Ah mais c'est par la radio. Grégory. Tu es là, je suis prêt au piège. Grégory, j'ai reçu ton message, t'es où? Au secours, un truc m'a attrapé et ça veut pas me lâcher. Tu dois me trouver, je suis coincé dans le... Le trou sous le raceway. Complètement l'autre côté, j'en suis très loin. Talkie Roxy. Intéressant. Alors, des informations très utiles. Un talkie-walkie de mon personnage préféré. Waouh! C'était très intéressant. Vous sentez que j'ai la haine? Vous le sentez? Non mais je m'en veux aussi d'être comme ça. Mais du coup on doit retourner en bas. J'ai plus stamina aussi. Soit dit en passant. Et d'ailleurs pour les sauvegardes, je dois me débrouiller. Je dois me débrouiller. Ok, super. Je sais pas combien de temps est le DLC. Du coup le Raceway. Mais moi, ça fait des années que j'ai plus rejoué au jeu. Je sais pas où je dois passer. Y a pas un truc pour m'indiquer. J'ai un talkie. J'ai gagné un talkie, hein, mais qu'est-ce que ça pourrait m'aider? J'ai l'impression de rejouer à la course partie là. Je gagne des trucs, mais je sais pas en quoi ça va me servir. En fait, y a rien. En fait, il n'y a rien. En fait, je devais rester là-bas. Je devais rester là-bas. Super. Super, c'est pas intuitif. Pas intuitif du tout, là. Je fais tout ça pour des beignets. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, non, mais de base c'était Final Fantasy 4. Hein. Là je fais ruine juste pour vous faire plaisir. Hein. Mais moi ça me fait pas plaisir. Ah mais j'ai raté cette porte? Ah non, mais non, on est passé par cette porte. Non, mais en même temps je fais pas d'effort aussi. Alors attends. Tu vas me dire qu'il y avait un autre lieu que ça? On peut pas passer. Et là tu vas me dire qu'il y a un passage? Tu vas pas me dire que tu vas passer par là? Oh, mais moi quand je voyais ça, je me suis dit, oh, mais y a un trou, tu vas pas tomber dans le trou. En fait, il y a un sol. Ah ouais, mais en fait, c'est moi qui vraiment tout en bas du machin. D'accord. Quoi? Quoi? Ça lag? Ça a lagué, j'ai pas vu. C'est l'ascenseur qui est tombé, c'est ça? Panic breathing. En gros, elle a respiré de panique. Ça a pas traduit. Hein.
D'ailleurs, Toggle Flashlight, j'ai mis le jeu en français ou c'est dans mon cul en fait? Faible hauteur, attention à la tête. Ils ont réussi à traduire les objets de la map, hein. Mais par contre, Toggle Flashlight? D'ailleurs, ouais, vous voyez Toggle Flashlight. Je dis pas dans le vent ça. Quoi, il y a un truc qui va me poursuivre. Alors déjà, je vais tomber. Voilà. Et je l'ai prédit en une seconde, hein, le machin. Je l'ai prédit que j'allais tomber en une seconde. Ça va, je vais bien. Petit oiseau. Ah, Chica! Ah bah t'es bien défoncée ma belle hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es dégueulasse ma belle. Attends. Vas-y, j'ai envie de voir. Alors ça a fondu, ouais. Ah ouais, ça a bien fondu. Du coup, tu bouges? Tu bouges pas. C'est moi qui bouge, en fait. Peux faire essayer de faire bugger un truc. Ça m'a manqué. Ça m'a manqué de faire bugger des trucs. Du coup, ça c'était pour m'attirer mon attention. D'ailleurs, t'as quoi dans le ventre? C'est quoi ça? Ton système mécanique là? En bleu ciel? Bon, par contre, je suis perdu. Je dois aller où là? Passons par la porte. Du coup, elle va pas me poursuivre. Je suis tranquille. C'est quand même une ligne droite, hein. Ah, c'est ça qui ne devait me faire peur! Eh ben... J'ai rien vu. Le jeu. Le jeu, fais un effort, s'il te plaît. Essaye de me faire vraiment peur, s'il te plaît. Oh, une sauvegarde. Ah non, c'est même pas une sauvegarde. C'est... Ouais. Alors, par contre, on va pas éteindre la lumière, hein, quand même. On voit pas l'utilité. Ah non, c'est vraiment... Une phase clé, comme celle de mon père. Parce qu'elle a un lien avec le bâtiment ou... Alors ouais, voir info quand même. Info utile, la phase clé d'un technicien de phase bien. Ah bah super! Oh, qu'est-ce que j'apprends des choses! Charger tous les conduits au niveau adéquat. Pointer sur le conduit pour le charger. Ah d'accord, ouais, ok, ouais, fallait y penser quoi. Fallait y penser, on va dire. L'endroit est pas très joli quoi. Ah, on est dans un cache d'escalier. Du coup, on va rejoindre, je sais pas, le couloir principal, où on peut un peu rejoindre tout ce qu'on veut, non? J'en sais rien, je me rappelle plus. Ah, j'ai pas vu. Ça doit être un monstre qu'on va croiser? Non? Je vous dis, je vais pas le finir, hein.
dis tout de suite, hein. C'est quoi? C'est rien? Chaud, 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 chaud. Ok. Qu'est-ce qu'on va se taper? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi l'utilité de cet endroit? Ah mais c'est ouais c'est Monty. Fanat à Freddy, Security Breach, Ruine. Waouh, on a le titre que maintenant. Et du coup, ce qu'on va se taper, c'est... Ouais, c'est Monty. Ah, mais on est au golf! Comme par hasard. Comme par hasard, on est chez lui. Comme c'est lié. Ouais, bon, par contre, le parcours de golf. Parcours de golf un peu cassé, quoi. Rappelez-moi, on pouvait faire des parties de golf? Attends, là c'est le vrai game? Ou c'est encore scripté là? Et ça lag, hein, super. C'est le vrai game ou... Pour moi là je dis c'est encore scripté. Ah ou pas? Ah oui, non, c'est scripté. J'ai même pas eu peur. Ah, mais j'ai... Le masque de Vinny? Oh là, c'est bizarre. C'est... Masque de sécurité? C'est quoi cette merde? Un masque bizarre laissé par un fast technicien. Ça sent la merde, hein, ce machin-là. Bah mais là. Bienvenue dans Vamni. C'est drôle. L'unité de virtualisation améliorée du maillage neural d'intégration. Nouvel utilisateur détecté. Appairage du transpondeur occipital. Restez calme, ça me fera pas mal. Et j'ai envie de le garder. Certes, je vais devenir méchante, mais... Mais concrètement, ça fait quoi le masque? C'est juste que je suis dans la Matrix? Non, mais là, je reviens en arrière, en fait. Le jeu, il m'a pas mis droit du tout. Je le garde. Plus je demande qui. Voir information. Il est difficile à regarder. Quoi ça, c'est un grillage. Et du coup, là j'ai scanné un truc, c'est ça? J'ai scanné un truc qui est ici. Ou bien je peux juste passer ça. Ah, je peux juste passer ça. Parce que de base c'est quoi? Bonjour le vrai monde. Vous avez de la chance, l'implant de transpondeur me permet de communiquer à distance même quand vous n'avez plus votre masque.
encore un avantage fantastique d'être technicien de classe V, mais bien évidemment, vous devrez remettre votre masque pour vraiment vous remettre au travail. Du coup, j'ai pu traverser ça. C'est bizarre. C'est pas logique. Mais c'est surtout pas logique. Mais en tout cas, je le garde. Ah, je peux. Ah, d'accord. Et du coup, là, je peux. Ah, non, je devais faire ça avant. Ok. Alors. Oh, ça descend vite, par contre. Je suis dans la Matrix. Petit robot là. Je suis dans la faille. Je sais pas. Je sais pas s'il était bloqué avant. Attends, il y a encore ça. Pignata Bonnie. C'est rempli de bonbons à la carotte. Ça ouvre les portes. Ah oui, c'est. C'est spécial. Par contre, je sais pas où je suis. Ah, ok. Ah, ok. Ah, je comprenais pas. Ah ouais, d'accord. Ah, mais c'est parce qu'il va se passer un truc. Qu'est-ce que c'est censé être? Une station de caméra à distance pour clinicien de face. Bien, heureusement pour vous, elle est déjà déployée et possède une alimentation fonctionnelle. Là, je peux le remettre? Je peux le remettre. D'accord, j'étais piégé dans un dôme, en fait. Ah ouais. Des boules. Oh le jeu! Eh vas-y, on va jouer. Je suis dans la Matrix. En vrai. En vrai! En vrai, là, je commence à m'amuser. Ah ouais, là, je commence à m'amuser, les gars. Pas comme cette mouche de merde. Ouais, un peu trop fort. Ah non, je crois que j'ai compris. En fait, ça, c'est un petit peu fort. Ah non, c'est pas du tout un petit peu fort. Ouais, non, en fait, j'ai pas compris. Ok, ouais. Je sais pas pourquoi c'est en rouge, hein. Pour moi, le rouge, c'était fort. Je sais pas, quand je jouais à Golf It, Golf with Friends. Non, non. Double bug et... On va faire un meilleur score que ça, quand même. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il y a en face de moi, en fait. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais on y était presque en plus. Allez, cette fois, je ne merde pas. Révise ta physique! Pas comme ça que ça marche. Birdie! Là, ça me plaît. Là, ça commence à me plaire. Oh! Alors, faut savoir viser là en tout cas. Ah, petit bâtard. Petit bâtard. Bon, pas trop fort. Comme ça?
Dommage. Bon, par contre, la musique va vite me casser la tête. Oh là là. Oh là là, la physique du jeu. Des crocodiles. Petit bâtard. Bah, du coup, je suis obligé d'attendre. C'est bon? Voilà! Comment on sait jouer au jeu? Allez, cinquième. YOLO! Ouh, et presque, hein! Ah, c'est le cupcake? Ah, il y a le cupcake qui nous regarde. Ah oui, là on voit bien. Ah, il fait flipper le cupcake. Krusty. Ouh. Oh, pizza! Et on est sur quoi? On n'est pas sur la pizza. Oh, je suis déçu. Oh, on n'est même pas sur de la pizza. Mais ça aurait été trop bien. Ah. Ah, bah là, c'est un petit peu la merde en fait. Allez, on va faire un rebond. On sait faire les rebonds. Pas du tout. Non, je suis une merde. Je suis pas du. Je sais pas. Il n'y a même pas de chica pour savourer une bonne pizza là. Ouais, trop fort. Aïe, 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 trop fort un peu là. Double bogey. Allez, vous inquiétez pas, on y est presque. De toute façon, vous pouvez skip, hein. Vous allez rien rater de plus. Oh, c'est mignon. Tout beau. YOLO. Oh, il y avait un petit secret, je sais pas. Aucune idée. Et en vrai, tu peux faire du premier coup celui-là, hein. Là, techniquement, c'était premier coup à partir du départ, mais c'était la deuxième fois que je frappais. Un peu dommage. Du coup, let's go. Non, mais je suis une merde. Hein. Oublier ce que j'ai dit, hein. Je vais pas gérer ce jeu en fait. Je sais pas, j'ai déjà joué à des jeux de golf, mais apparemment, je suis nul sur ce jeu. Non! Bon. En tout cas, le décor est sympa. Hein. Alors, dernier niveau, il ressemble à quoi? Petit parc pour enfants, là? Qui rigole? Oh non. Oh non. Non, je le veux, là, le tuyau. Je le veux. Le jeu? Allô? Le parc. Ah, ça va aller trop le coup le tuyau là. Et du coup.
Changer d'indice, quoi? Ah. Signaux sans fil, sans visite dans le réseau Vamni. Ok. Eh ben, c'était sympa. J'ai bien envie de le tryhard, mais je suis en vidéo. C'est dommage, hein. Je voulais bien m'amuser. Et en plus, on peut même pas sauvegarder. Je peux même pas me dire, tiens, j'ai envie de le refaire. Non, non. Non, non. Tu pourras pas. Un peu dommage, quoi, quand même. Et en plus, ça fait déjà presque 1 heure que je suis avec vous. Hein, on va pas passer un Halloween pendant 2 heures de vidéo. Bon, retour à la réalité. Même si je sais même pas où je dois aller en fait. On est arrivé là. Ah là! C'est Monty qui est en train de tout casser? Oh non, je suis obligé d'enlever mon masque pour activer le scénario. Allô, le scénario? Me voici. Oh, pas du tout. Je suis déçu. Scénario? C'est par là! Je te vois en troisième dimension. Tu es où? Menti en troisième dimension. Ok, je capte la Matrix. Ne t'arrête pas de me chercher. Je t'entends, Grégory. Si tu m'entends, désactive toute la sécurité. Éteins tout. Sécurité, mais de quoi tu parles? Ça n'a aucun sens. Les nœuds de sécurité, trouve-les et désactive-les. Je ne pourrai pas sortir avant. Grégory, des nœuds de sécurité? C'est quoi ça encore? Je ne sais pas. Je passe la Matrix. Peluche cauchemardesque. Ah tiens, on a failli la voir dans Final Fantasy 4. Dommage, hein, qu'on n'ait pas allé jusqu'au bout. Bon, du coup, c'est quoi ces conneries là? Pourquoi ça crie là? Cette porte est en mode verrouillage d'urgence. Fouillez le monde en RA à la recherche de nœuds de sécurité. Oui, ben on l'a vu. Désactiver ces vilains nœuds. Et la porte pourrait s'ouvrir. Ah non, ou bien ça s'active maintenant les machins. En tout cas, il y en a une là-haut là. C'est ça? Quoi? Les nœuds secondaires? C'est quoi les nœuds secondaires? De quoi il me parle? De quoi est-ce que tu me parles? Masque de tragédie. Quoi les trucs secondaires? Mais... Désactive des nœuds et d'un coup désactive les nœuds principaux. Non mais ouais. Oh, c'est quoi? Des yeux? Oh. Non mais par contre, sérieusement. Allez, vas-y. On va voir un peu la réalité là. Non mais sérieux?
Et je comprends pas. Hein. Mais désactive le nœud principal, mais il y en a pas. Il y en a pas en fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me demande? Les nœuds secondaires. Mais quel nœud secondaire? Et j'en peux plus. Je suis débile, je sais, je suis débile, mais je le sais. Je le sais. Depuis le début du jeu, je fais pas comme le jeu me le demande. Je le sais très bien. On retourne en arrière. Y a pas le choix. Apparemment, c'est pas ici. Il y a un truc là. Allez, vas-y, comment bon vieux temps? Mon beau vieux temps, laisse-moi passer. Tu veux pas? Par tous les mois. Allez, 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 merde, non, non, réessaye, réessaye, arrête de courir. Allez, allez, je sens de la résistance ici, c'est ici. Ici, que ça va bugger. Je vous le dis. Putain, j'étais bien. Là, 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 là. Là, merde. Ici. Non. Je vous le dis, je vais y arriver. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. J'ai réussi une fois dans ma vie. Il y avait une barrière qui ne pouvait pas me résister. Alors là, je te le dis, les développeurs, ils n'ont pas prévu ce que je suis en train de faire. Voilà. Non. Ok, faut pas que je saute. Mais avant ça, ça marchait. Je vais m'énerver. Oh! Il s'est passé un truc. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Ah. Allez. Allez. J'ai pas envie de m'arrêter là, mais il le faut là. Il le faut. Là, là, ça allait commencer à devenir intéressant, à devenir amusant, où je pouvais enfin faire ce que je faisais à l'époque.
faire bugger le jeu. Mais j'essaye avec ça. Non, mais ça va pas. Non, mais c'est bon. Non, mais faut abandonner, c'est bon. Ils ont corrigé, ils ont appris de leurs erreurs. Le jeu est bien maintenant. Je peux plus faire bugger. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore mes sauvegardes du passé où il y avait le bug encore? Non. Ouais, bon, allez, on abandonne. Hein. C'est amusant. C'est drôle. Mais en plus, on peut y aller. Ça m'énerve. Regarde ça, là. Me dis pas qu'on peut pas y aller. Putain. Allez, allez, grille-toi les cheveux, j'en peux plus. Allez, allez, je m'avoue vaincu. Je vais manger cette délicieuse pizza périmée, parce que je n'ai que ça à faire. C'était le spécial Halloween. Vous êtes déçus, je le sais. En plus de ça, vous avez un let's play Halloween. En plus, vous avez une vidéo ce matin spéciale histoire d'horreur. Où je vous ai fait découvrir une personne incroyable. Un bout d'un moment. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Bon, les gens, je vais vous dire à la prochaine et à ciao ciao.